Un feuilleton. Si jamais vous voyez qu'il y a un cheval qui s'approche trop près, vous vous levez. Mais les pâtés, il ne faut pas le tuer tout de suite. Parce que ça vient de voir. Parce que moi, le premier qui vient, je l'allonge. Parce que sinon, il faut que je cours après les autres. Demain, alors, il y a pas de chouette. Tu viens pas trop vers moi, parce que moi, faut que j'en sorte de voilà. Ouais, mais si. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est que quand tu vois, aller vers lui, je sais que Westerman, il va pas me rater. T'as un briquet, qu'est-ce qu'il fume? Ah, je fume plus. S'il y en a une qui fume, c'est Cathy. Oui, c'est lui. Il faut un briquet. Bruno, il y a des allumettes derrière. Là où Marie est assise. Faut qu'on meure en dernier quoi. Ce sont les bourgeois qui ont pris la place de nos messieurs. Ils nous avaient dit qu'on paierait plus d'impôts et de gamelles et qu'on pourrait tous acheter de la terre. Mais il n'y a que les messes qui prennent les bénéfices de leur métairie et maintenant ils lèvent les impôts à la place des nobles. Ah, Dieu sait qu'avec nos messieurs nous pouvions toujours nous entendre. Dieu. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de pauvreté. Les religieux sont riches, fallait bien récupérer par la force qu'ils ont volé au peuple. Allons, grand Jaune. Je suis sûr que tu étais un bon chrétien, comme nous avant tout ça, et que tu aimais ton curé. Rappelle-toi que Dieu nous a demandé de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, ni de quoi nous serons vêtus. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et Dieu les nourrit. Nous n'avons pas l'esprit inquiet de nous. Pour le boire et le manger, nous cherchons seulement à mériter son royaume, et le reste nous sera donné en plus. Pour nous guider, nous avons besoin de nos bons prêtres, pas de nos faux curés, pas de vos intrus. Oh.
auprès de son crâne. Écoute, ventre jaune. Et après, ben, on se relève et c'est là que tout le monde vient nous rejoindre et on se donne la main. Okay. Qu'est-ce qu'on est bien au soleil? C'est pas mal, hein? On est bien au soleil, hein? Avec des sables, des vieux soleils. Est-ce qu'on peut faire un peu plus? C'est pour les dents.
On bascule le fusil. On remet la carabine le plus rapidement possible. Donc un fantassin qui est bien exercé, il peut tirer 3 coups à la minute. À la fourchette aujourd'hui, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire qu'on va à la baïonnette. Donc on tire rarement plus de 25 dans une bataille. En plus, avec la fumée dégagée par la poudre noire, après 20 minutes de combat, 2 heures de combat, on ne voit plus rien. Donc en fait, l'ennemi est pas très loin, mais extrêmement virtuel. Jusqu'au moment où on y va à la baïonnette, là,